Roxane! Écoute, c'est parce que j'aurais à te demander une grande faveur. Quel genre? Une semaine de congé le mois prochain. Ah, mais sans solde, hein? Je te rassure tout de suite là-dessus. Ben, en quel honneur? On a gagné un voyage dans le sud. Ah! Yes! Ben, c'est le fun pour vous autres, hein? Mais pourquoi tu fais cette face-là, là? T'es pas contente? Oui, oui. C'est juste que j'aurais aimé ça y aller. Oh, tu te lunes. Qu'est-ce que tu veux? C'est un voyage pour deux, pas pour trois. Je te suis pas, là. Jean-Louis a décidé de partir avec sa mère. Elle est morte. Pourtant, c'est fou comme elle peut être présente. Ah, ça, c'est vrai! Hey, y a pas un de nos soupers en tête à tête qu'on passe à la maison sans que je mette l'urne de maman au centre de la table. Hein, ma chérie? Mais, là, es-tu en train de me dire que tu vas emmener les cendres de ta mère sur la plage? Ah, mais crains rien pour le soleil, voyons. Elle peut pas brûler. C'est déjà fait! Ouais, là, j'ai le doute dans les commentaires, quand même. C'est toi qui m'avais demandé de conduire. Oh, mais je savais pas, j'allais avoir peur comme ça. Peur? Peur! Écoute, t'as jamais mis ton clignotant, t'as jamais vérifié dans ton rétroviseur et surtout, t'as jamais checké ton angle mort. Jamais. C'est sûr, on n'est jamais sorti du garage. C'est sûr, on serait jamais rendu. C'est parce que je suis une fille, hein? Non, non, non. Sers-moi pas ça, tu sais que je suis pour l'égalité des sexes. Ah bon? Sauf que j'ai pas besoin de risquer ma vie pour ça. Voyons, là, qu'est-ce qui se passe? Faire besoin d'un lift, ça a l'air que ce sera pas moi qui va y donner. Tu veux-tu y aller? Hey, je viens de te dire, je veux pas risquer ma vie. Qu'est-ce qui te prend, toi? Tout d'un coup, elle peut vouloir conduire. Il a perdu son permis. Je l'ai pas perdu, il est dans mon portefeuille. Appelle ça suspendu, c'était mieux. De toute façon, tout ça, c'est à cause d'une grosse erreur judiciaire. Quel genre de grosse erreur judiciaire? Le genre qui mange des beignes. De toute façon, là, oublie-moi comme taxi. On dirait parce que t'es chroniqueur automobile, tu te sens obligé de nous dire comment conduire. Bon, je veux me coller un taxi. Non, papa. Quoi? Ben, je pense que tu souffres de déformation professionnelle. Puis c'est un peu pénible. Go. Je sais faire la différence entre mon travail et la vie de tous les jours. Je sais faire la différence entre quelqu'un qui conduit bien. Comme toi. Et puis un tata qui a pas d'affaire dans le trafic. Comme le reste de l'univers. Y a-tu quelqu'un qui m'a appelé, là? Ah oui, y a une certaine Isabelle Gatt. Bon, enfin, quelque chose de positif. Ça, c'est la fille que j'ai rencontrée hier soir dans un 5 à 7 avec qui je soupe ce soir. Ah bon? Puis qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, elle? Elle est psychologue. Ah bon, c'est bien ça. Enfin, tu t'es décidé à consulter. T'as jamais pensé à la thérapie? Pourquoi? C'est pas normal que je me lave les mains 83 fois par jour? Mais non, je pensais plus à Jean-Louis. Mais voyons, Roxane, Jean-Louis est parfaitement sain. Oui, mais je le sais. C'est pas nécessaire d'être malade, là, pour faire une thérapie. La preuve, moi. Moi? Oui, j'ai déjà fait là, ce qu'on appelle un rebirth. Tu te sentais mal dans ta peau? Non. Non, non, c'est juste que c'était à la mode, que ça coûtait très, très cher et que toutes mes amies en avaient fait. Et ça consiste en quoi? Ben, il faut remonter, là, psychologiquement jusqu'à la naissance pour régler les choses qu'on avait réglées, puis après ça, naître à nouveau. Ça te fait remonter jusqu'à la naissance? Oui, madame. Ça veut dire que, admettons que le cordon ait pas été coupé comme du monde. T'as une chance de te reprendre. Oh, c'est un pensez-y bien, hein? Et un pensez-y vite aussi. Puis, t'as la certitude que cette thérapie-là pourrait lui enlever sa mère de la tête? La certitude, non. Non. En fait, la seule chose qui pourrait enlever sa mère de la tête de Jean-Louis... C'est quoi? La lobotomie. Je pense qu'on va essayer le rebirth. Et là, mon fils me dit, « Papa, tu souffres de déformation professionnelle. » C'est rien, il rajoute, « Et ça commence à être pénible. »
Ah, de toute façon, j'ai dû passer des commentaires sur le sujet. Hein. D'après tout, c'est moi le spécialiste du domaine. Donc, continue. Parce que là, je suis pas en consultation, moi, là. Oh! Excuse-moi, je suis désolée. C'est un genre de réflexe. C'est pas grave. Mais continue, je t'en prie. Ah, mais j'avais fini. Ah! Si tu le dis. T'as pas l'air à me croire. Ah, oui, non. Regarde, c'est correct, là, je sais qu'on se connaît pas beaucoup. C'est normal que tu cherches à te protéger. Me protéger de quoi? Non, c'est beau. C'est beau. Oublie ça. Non, c'est pas beau. C'est beau. Tu me crois pas. Regarde, Denis, là, on n'est pas dans mon bureau. Là, je suis pas ici pour te soigner. Me soigner de quoi? C'est toi qui as commencé à parler de ta relation avec tes enfants. Ah, mais c'est un sujet comme les autres, non? Oui, mais pourquoi as-tu choisi de l'aborder en premier lieu dans ce cas-là? C'est quoi le problème, là? Écoute, ça, si tu veux pas le verbaliser, personne ne le saura jamais. De quoi tu parles? Regarde, j'ai pas le goût d'embarquer là-dedans, là, Denis. Je vois de la détresse à longueur de journée. Puis celle que je vois le soir, là, je suis trop fatiguée pour l'analyser. Pourquoi je ressentirais de la détresse, moi? Ça, y a juste toi qui peux répondre à ça. Oh, mais pas besoin d'être malade, hein, pour suivre une thérapie. La preuve, Roxane. Roxane? Oui, elle a fait ce qu'on appelle un rebirth. Oh! Ça consiste en quoi? Eh bien, il s'agit de remonter psychologiquement le cours de sa vie jusqu'à sa naissance, et puis là, de régler ce qu'on avait à régler, et puis après, de naître à nouveau. Tu peux remonter le cours de ta vie jusqu'à ta naissance? Absolument. Ce qui veut dire que les portes de l'utérus qui s'étaient à jamais refermées derrière moi pourraient à nouveau s'entrouvrir? L'idée, là, c'est surtout de bien visualiser la coupure du cordon. Oh, mais ça, pas de problème. Maman me l'a raconté tellement souvent. Ah, ah bon? Oui. Hey, j'étais bleu, j'avais le cordon autour du cou. Oh, hey, Dieu merci, t'as survécu. Oh, voyons, petite Laine, hein? Comment aurais-je pu être étouffée par le lien qui me rattachait à maman? Hein? Comme tu vois, je suis tout à fait normal. Oh, j'ai jamais dit que tu étais pas normal. Ouais, avoue, tu y as pensé. Absolument pas. Regarde, c'est pas anormal de se sentir plus ou moins bien dans sa peau. Je me sens très bien dans ma peau. Encore mieux dans celle des autres, hein? Non, écoute, là, chacun sa névrose, c'est correct. Mais justement, j'en ai pas de névrose. Ah, si tu le dis. Regarde. Es-tu capable, Isabelle, de faire la différence entre ton travail et notre relation? Ben oui, voyons. Regarde, si t'avais été mon patient, là, je t'aurais demandé de t'étendre et de me guider progressivement vers tes zones les plus sensibles. Ben justement, c'est quoi la différence? Ah ben, je t'ai pas facturé, là. Veux-tu me lâcher la psychologie 2 minutes? OK, c'est beau. Non, mais c'est parce que j'ai pas le goût, quand je fais l'amour, de savoir que ma partenaire est en train d'analyser mes relations avec ma mère. Puis... Ça, je comprends ça. N'empêche que... D'après certains de tes comportements au lit, je pourrais déduire que t'as pas été allaité assez longtemps. Isabelle, veux-tu arrêter de chercher les bébites? Oh, je cherche pas des bébites. Voyons. Tu sais, Denis, là, une psychologue, là, ça fait la même job dans ta tête qu'un exterminateur dans ta maison. Dans quel sens? Oui, c'est sa job à elle de tuer les bébites. Mais c'est au client à lui montrer où est-ce qu'elles sont.
Regarde, on va mettre quelque chose au clair tout de suite. Là. Je me sens tout à fait normal comme père de famille. Mm-hmm. Okay. Oui, oui. Même si j'étais, je te ferais remarquer, un père monoparental, ce qui n'est pas courant de ce temps-ci. Mm-hmm. Et que, par le fait même, ben, j'ai pas eu vraiment de... T'as pas eu vraiment de... Ben, de modèle sur lequel me raccrocher. Mm-hmm. Continue. Ce qui fait que c'est sûr qu'il y a des fois que... Des fois que... Ben, c'est sûr qu'il y a des fois que j'ai eu l'impression de fonder une famille sur les... sur les ruines de mon ancien couple. Mmh. Ah, Jean-Louis, as-tu le dossier sur lequel je t'ai demandé de travailler? Pourquoi? Ben, parce que j'en ai besoin. Pourquoi? Parce que l'heure de tomber approche, puis qu'il faut l'envoyer à l'imprimerie. Pourquoi? Pour l'imprimer, cibole. Pourquoi? Tu me niaises-tu? Non! C'est parce qu'il est rendu dans son enfance. Il est dans sa phase du pourquoi. Quoi? Ben, il est rendu là dans son rebirth. Oui, mais c'est pas de même que ça marche, là. Tu revis pas ta vie à l'envers? Oui, mais au sens figuré. Oh! Imagine comme les résultats de la thérapie vont être bons si lui l'a fait au sens propre. Mais voyons, ça se peut pas, là. Oh, je te le dis, t'aurais dû le voir ce matin quand il était ado. Un vrai rebelle. Qu'est-ce qu'il y avait de rebelle en Jean-Louis ado? Oh, ses cheveux! Oh. Hey, là, ça va faire, là. Jean-Louis, arrête tes conneries. Non. Hey! Non. Hey! Donne-moi mon dossier tout de suite. Non. Chicane-le pas! Il vient de rentrer dans sa phase du non. Oh. Non, regarde, moi, là, je pense que je vais prendre la journée off parce que j'ai pas envie d'assister à sa phase buccale. Ah, docteur, je suis content que ça ait accepté de venir me rencontrer. Non, c'est bien rien. Vous savez combien je suis dévoué envers mes patients, hein? Allô, oui? Oui, pas de problème. Non, je serai là dans une heure ou deux. Vous pouvez commencer sans moi. D'accord, merci. Au revoir. Partie de golf. Non, 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 une opération à cœur ouvert, oui. Donc alors, M. Charret, que puis-je pour vous? J'aimerais avoir une seconde opinion. Mais je suis parfaitement d'accord. Je vous ai pas dit encore de quoi il s'agissait. Oui, vous m'avez demandé une opinion, je vous donne la mienne. C'est simplement que j'ai l'impression, honnêtement, de devenir complètement fou. Pour quelle raison? Je fréquente une psychologue de Saint-Cy et j'ai l'impression qu'elle a pris le contrôle de mon cerveau et qu'elle s'amuse à jouer au ping-pong avec. Exemple? Un exemple, je lui parlais du fait que j'étais, je crois, un père de famille absolument normal, malgré le fait que j'étais un père de famille monoparental, ce qui est quand même assez rare, et tout ce qu'elle trouvait à répondre, c'était « mm-hmm, 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 mm-hmm ». Et je lui disais que, bien sûr, à cause de ça, j'avais pas de modèle sur lequel me raccrocher. Mm-hmm. Bon, enfin, ça va être froid. Non, je suis en train de me laver les mains. Mon Dieu, tu t'en venais juste manger. T'as trouvé ça long, c'est ça, hein? Avant de faire une opération, les chirurgiens font ça plus vite que ça. C'est ça que je pensais. Quoi? Je pense que je suis en train de faire une névrose obsessionnelle. Tu sais, les gens qui sont maniaques de la propreté, là, qui ont peur des microbes, là? Non, je pense pas au nombre que t'as échangé dans ta vie. Moi, je pense que oui. Bon, mais regarde. Il y a un cerne dans le bain, puis du Ajax dans l'armoire. Fais-toi plaisir. Tu me crois pas, c'est ça, hein? Tu te racontes des histoires, voyons. Toi, tu penses que tout ça, ça se pose dans ma tête, hein? Oui. Donc, tu penses que je suis mythomane? Oui, qu'est-ce que t'as de chercher des bébites? Je cherche pas des bébites. C'est pas anormal de sentir des fois plus ou moins bien dans sa peau. À chacun sa névrose, il suffit juste de savoir laquelle. Là, juste hier matin, t'étais pas mal plus de bonne humeur que ça. Ah, c'est ça, je suis maniaco-dépressif. Mais non! On dirait juste que t'es pas toi-même. Personnalité multiple. Que tu vis dans ton petit monde. Schizophrène! Mais oui! Père, veux-tu bien m'écouter? Là, je te parle en adulte, me semble. Syndrome de Peter Pan. Père, veux-tu bien arrêter? T'es normal. Tu penses-tu? Qu'est-ce que t'es après t'imaginer, maudit fou? Maudit fou, tu viens de me le dire toi-même! C'est une image, paranoïe pas! Paranoïaque! Tu me traites de paranoïaque, c'est ça que tu veux me faire enfermer d'un asile, c'est ça que t'as dans la tête, c'est ça, hein, c'est ça, hein? Hein, c'est ça, hein? Hey, hey!
Ça va? Comment ça va, ça va? Ça te fera parler? Tu me cherches-tu, toi, tabarnak? Bonjour, je suis Isabelle. Oh, tu dois être Nicolas, toi. Oh, Isabelle, je suis contente que tu sois là. Mes enfants arrêtent pas de m'harceler. Là, ce qui se passe, c'est parce que, regarde... Tais-toi, maudit jaloux! Je suis assez content d'avoir rencontré quelqu'un qui me comprend et qui m'aime pour ce que je suis. Quelqu'un que, quand je suis en sa présence, je me sens tout à fait normal. Viens, on va y aller, mon petit loup. Ah, voulez-vous que je vous appelle un taxi? Parce que, tu sais, petit loup, là, avec tes histoires de permis et tout, là... Pas besoin, je vais lui donner un lift. Dérange pas pour ça, on peut appeler un taxi. Non, ça va me faire plaisir d'être ton taxi. Viens. Non, mais si elle te le dit. Roxane, j'ai besoin d'un conseil. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est Jean-Louis. Puis? Ben, il a psychologiquement continué de remonter le cours de sa vie. Ben, c'est ça l'idée. Ben, il a désappris à parler, il a désappris à marcher. Oui. Puis là, il est psychologiquement retourné dans l'utérus de sa mère. Ben, good! Mais là, il se sent-tu mieux, là, d'être né une seconde fois? Ben, c'est ça le problème. Qu'est-ce que tu veux dire? Il veut plus sortir! Ah, c'est une psychologue. Exact. Ça explique bien des choses. Ouais, ce qui fait que je me suis dit que le mieux, là, c'était de combattre le feu par le feu. Dans quel sens? Ben, Isabelle, calme-toi. J'ai déjà fait une couple de commentaires quand même. Tu m'avais dit que ça te faisait plaisir que je conduise. Moi, je sais même, mais je savais pas que j'allais avoir peur comme ça. Peur! Peur! Tu t'as jamais mis ton clignotant, t'as jamais regardé dans ton rétroviseur et surtout, t'as jamais vérifié ton angle mort. Jamais. Ben, c'est sûr! J'ai jamais eu le temps de faire partir le char! Pour moi, la sécurité au volant, c'est important, t'sais. Garde, de toute façon, oublie-moi comme taxi. On dirait que parce que t'es chroniqueur automobile, tu te sens obligé de dire à tout le monde comment conduire. Isabelle! Denis, je pense que tu souffres de déformation professionnelle. Et ça, je suis pas capable! Merci, docteur, d'avoir fait si vite. Oui, j'aurais pu venir plus vite, mais ça n'avançait pas. Ah, sur la route? Non, sur le terrain de golf. Mais ce qui compte, c'est que vous soyez là. Exact. Mais qu'est-ce qu'il a? Eh bien, c'est Jean-Louis. Il a fait un rebirth qui a mal tourné. Dans quel sens? Mais il veut plus sortir du sein maternel. Oh, c'est satanier, rebirth, hein? Vous connaissez ça? Oui, c'est mon quatrième cas ce mois-ci, oui. Oh, donc, vous savez quelle technique médicale employer? Oui, absolument. Mais sachez qu'à cause des difficultés dans le domaine de la santé, c'est une technique que le personnel soignant connaisse à fond à force de l'employer, oui. Ah oui, laquelle? L'improvisation, madame. Oh, c'est rassurant. Monsieur Dubuc? Monsieur Dubuc! Monsieur Dubuc! Ça sert à rien, il répond pas! Ah, il ne me reste qu'une solution, madame. Le provoquer. Mais c'est parce qu'il n'est pas dans le ventre de sa mère au sens médical. Je ne compte pas le provoquer dans le sens médical non plus. Comment, d'abord? Allez, viens te battre, là! Viens te battre, couille molle! Hey! Viens te battre! Mais qu'est-ce que vous faites? Je provoque, madame. T'as peur? Poltron! Capon! Allez, viens te battre! Couille molle! Je viens d'entrer dans l'histoire. J'ai donné un lift à notre père, puis il n'a pas dit un mot. Oups. Ouais, ben, je pense que ton histoire avec Isabelle t'a fait réfléchir un peu, hein? Ouais, t'as raison. De toute façon, t'as raison depuis le début. La déformation professionnelle, c'est pénible. D'ailleurs, je travaille là-dessus. Marc, en sortant avec une psychologue, tu tentais un petit peu le diable. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben là, c'est un peu comme conduire en présence d'un chroniqueur automobile. Ou d'argumenter avec une avocate. Mmh. Ou de French une dentiste. Mais pensez-vous que c'est aussi répandu que ça, la déformation professionnelle? Faudrait voir. Mais je veux dire, dans le sens que, pensez-vous que, mettons, une massothérapeute, quand elle rentre chez eux ce soir, elle a encore le goût de... Bah. Ben, mettons, une contorsionniste, pensez-vous que... Bah, ta gueule. Ben là, il a commencé à le provoquer en lui disant « couille molle ». Oui, puis après ça, petite bite,
Puis aussi, maudit tonton. Mais là, tu te sentais pas insulté? Ben, comment j'aurais pu? Je savais pas à quoi il faisait allusion. Mais à un moment donné, il est allé trop loin. Ah oui, oui, oui. Puis c'est ça qui m'a fait comme l'effet d'un électrochoc. Puis qui m'a réveillé. Ben, de quoi il t'a traité? De vilain garçon à sa maman. C'est correct, Jean-Louis. Hein, c'est quand même grâce à ça que t'es de retour parmi nous. C'est vrai. Hein? Alors, j'espère que ça t'a fait au moins réfléchir. Oh, que oui. Puis, pour ce qui est du voyage dans le sud, là, ben, j'ai compris que c'était Titlaine qui méritait le siège d'avion à côté du mien. Ah! Tu vas voir, là, elle va beaucoup plus apprécier le voyage que ta mère dans son urne. Ben, on verra une fois rendu là-bas, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est parce qu'on a appelé la compagnie, puis ils nous ont confirmé que je pouvais garder maman comme bagage à main.